Bonjour, mesdames et messieurs, et bonsoir pour les autres, les aliens, ceux qu'on ne connaît pas. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième épisode sur Fallout 4. Après avoir sauvé la milice et les avoir installés dans un petit village bien sympathique, qui était mon ancien village, qui était réduit en cendres, enfin pas vraiment, mais genre un peu détruit quand même, on va pas se mentir. Donc je les ai installés dans une petite baraque dans mon village, et après il y a un mec qui m'a demandé Strudge, m'a demandé de construire un puits et des lits. J'ai construit des lits, mais le puits je pouvais pas parce que j'avais pas de béton. Du coup je suis parti chercher du béton, là j'ai vu que j'en trouvais pas, du coup je me suis dit que j'allais faire une autre quête. Et à partir de là on est parti aller voir des gens qui ont besoin d'aide contre les pillards. Voilà, donc c'est parti. Un minimum de jugeote, ne touchez pas à la bramine. Il y a pas mal c'est de capsules à se faire en protégeant. Ouais, il s'appelle Lucas. Charlie, je te présente Lucas. La tâche, l'énorme a deux. Vous aurez de bien meilleures chances de survie si vous restez sur les routes. Ah oui, c'est cool, disons. Pardon. Qu'est-ce que vous voulez ? On a assez d'ennuis comme ça. Et justement ! Vous n'avez pas demandé de l'aide aux miliciens ? Vous êtes des miliciens ? Je pensais pas que vous existiez encore. On a bien dit à un marchand ambulant de faire passer le message, mais je ne pensais pas que ça servirait. Les gens ne font plus confiance aux miliciens depuis Quincy. Ça leur a donné une mauvaise image. Je ne pensais pas me faire sermonner par quelqu'un que je viens aider. Je ne voulais pas vous vexer. En fait, ça fait sacrément plaisir de vous voir. Une bande de pillards nous harcèle depuis des semaines. Ils nous prennent nos récoltes, notre matériel, et ils menacent de nous tuer si on refuse. Ça, on sait d'où ils viennent. Ça sent Walking Dead. Ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur tenir tête. On va se retrouver avec un Negan sous les bras, les gars. Ça va être compliqué. Hein. Tuer les pillards. Vous vous rallierez aux miliciens quand j'aurai réglé leur compte à ces pillards? On y réfléchira. Les gens se sont habitués à ne pas pouvoir compter sur vous. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Ouais, maintenant que je suis là, les gars, tout va bien se passer. Moi, je suis pas un Rick. Moi, je suis putain de Patrick. Ouais, Patrick, c'est ça? Attends, je me souviens plus, bon, c'est pas grave. On va dire que je m'appelle Patrick pour le moment, et puis si jamais ça change, eh bien ça change. Donc, il faut que j'aille voir les miliciens que je les défonce. Alors, je pense pas que je vais y arriver du premier coup. Tout simplement parce que je suis pas doué et que j'ai pas pris mon armure et que... Bon, j'ai une bonne arme quand même, mais après si je peux trouver genre un petit snipe tranquillou là, ce serait pas mal. Donc cet épisode, ça va être sur du tuage de miliciens en pagaille. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Allons voir ça. Est-ce que c'est loin déjà, de base? Carte. Ah mais oui, un peu quand même. Ah oui, c'est un peu loin quand même. Mais bon, on y va. C'est pas grave. On va passer par la gare. On va peut-être trouver les trucs dans la gare en passant. Tant qu'à faire, ce peu. Oh, une pelleteuse. Ça pourrait nous être super utile, ça, dis donc. Je sais pas si je devrais... Ah ! Ça, je t'ai pas vu, toi. Oh, ça vise même quand je touche les bras. Ça tue que le bras. Par contre, c'est quoi le truc, là, genre le SVAV ou je sais pas quoi? Comment on fait pour utiliser ça? Attends, je vais voir. Je vais voir, 2 secondes. C'est bon. Gagnez pas trop. Frapper, activer, E, dégainer, recharger, P-Boy. SDAV, c'est A. Ok, tête. Et tête. Je peux pas. Ok, accepté. Wow, mais c'est pas mal du tout, ça, dis donc. Bon, je peux faire comme ça aussi, mais... Hey. Putain, c'est putain, ce truc-là. What? Ow! Putain, il m'a sauté dessus, mais comme un saligo, quoi. Oh, je rêve. Ok, donc, ce que j'aurais dû faire, éventuellement...
C'est tout simplement savoir ça avant. Hein. Ça m'aurait bien aidé. Et ça m'aidera aussi pour les miliciens. C'est bon, je lui ai parlé à l'autre, là. Bon, alors, on va s'entraîner un peu. Sachant que j'ai qu'une balle sur ce fusil-là, est-ce que, par hasard, j'ai pas une autre arme avec plus de balles, histoire de pouvoir faire plusieurs coups en même temps? Ça peut être stylé. Inventaire, arme. Tac-tac, arme de fortune. Matraque. Fusil 2. Ok, on va prendre ça. J'ai plein de balles. Bon, ça devrait peut-être le faire. On va voir. On va essayer ça. J'imagine que les PA, les points d'action, c'est pour tout. Genre, pas forcément que pour le. Pour courir, mais aussi pour le SVAV, le SVAV. Et le reste, non ? Je pense. J'imagine. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, essayons tout ça. Ils étaient là, ces salauds là. Il y en avait plein en plus. Il y en a un qui courait super vite. Il m'a tellement surpris. Il me donne un headshot avec ça à son point de goule. C'est plutôt violent. Tête. E. C'est raté. Tête. E. C'est raté. C'est raté, gros. Tête. 34. Ah, ça, c'est les pourcents de chance. Ok. Ah, c'est les pourcents de chance pour que j'y arrive. Très bien. Buste. Ok. J'ai compris. On va faire ça comme ça. Ce sera un peu plus rapide. Ah, mais il faut vraiment que j'augmente mon SVA pour qu'il soit plus précis, quoi. Tête, 52. Je peux pas. Ah, mais j'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas assez de points d'action, c'est ça? C'est ça, j'ai pas. Ah ouais, donc oui, c'est bien ce que je pensais, les points d'action ça veut sortir. Bon, très bien. Bon, ça va plus vite comme ça, mais c'est quand même pas mal stylé. Donc, on va éviter de courir partout hein, pour garder un petit peu nos points d'action. Et ce qu'on voulait, c'était voir ce putain de tractopelle. Ah non, mais c'est pas un tractopelle en fait. J'en ai vu une là, il avait écrit Goul Sauvage. Elle est où? Elle est là. Ok. Putain, mais t'es juste à côté, mec. Comment tu fais pour le rater, quoi? Ouais, c'est une blague. Laisse mon chien tranquille, toi. Tiens, je te soigne, mon chien. Ok. Bon, qu'on fait pour se soigner, nous? Hein? Ah là là, faut tout gérer après, à chaque fois ça va être compliqué. Hein. Alors, tac 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 tac. Sauter, sprinter, SVS, valve, courir, déplacer, favori, gna gna gna. Y'a pas? Y'a pas. Y'a pas se soigner? J'ai tellement de trucs à apprendre encore. C'est fou. Putain, mais y'en a plein, mec, c'est abusé! Ouais, c'est ça. J'en ai vu un autre. Oui. Ok, parfait. C'est qu'il doit y avoir des trucs intéressants. Je veux dire, dans un jeu vidéo, quand c'est gardé par les monstres, c'est que c'est comme un donjon, tu vois. Tu trouves des trucs cool après, non? Pas du tout. À part. Briquet. Des clopes. Ok. Bon, bah, pas forcément. Règlement sur le transport, afficher les manifestes de frais. De fret. Pièces de foreuse, barre d'acier, fil d'acier, granit. 24 tonnes de granit. Ok, bon, bah écoute, très bien. Mais les 24 tonnes de granit, je peux pas vraiment les récupérer si tu veux. Ils sont un peu posés là en mode. Salut! Je suis juste posé, hein. Je veux pas vous embêter, tout ça. Alors. Ah, il y a une casse là-bas. Je crois que c'est une casse, hein. Il y a des voitures les unes empilées sur les autres, ça doit être ça, j'imagine. C'est bon, laisse-le, on s'en fout. On s'en fout, on est les fous!
Nous, ce qu'on veut, c'est aller voir les miliciens. Ils doivent être là-bas, j'imagine. Intéressant. Pourquoi on est plus safe en restant sur les routes alors que sur les routes, il y a des monstres partout? C'est pas logique. Tu peux pas monter sur l'herbord. Je dis pas que tu peux pas monter sur l'herbord quand même. C'est ridicule. Faut tout faire dans le jeu, on veut pas monter sur l'herbord. C'est une blague. C'est une blague. Là j'y suis déjà été. Alors il y a des trucs partout quand même ici, hein, c'est cool. Je me demande la taille totale de la map, ça va être une grande map quand même. Donc je visite tout mon gars, faut me dire. Ça m'a l'air un peu bloqué par ici. Ah, c'est par là. Nice. Oh, une ville. Enfin, je crois. Oui, ça doit être une ville, oui. Super Duper Mart. Ah non, c'est genre un centre commercial. Eh, on en trouve des trucs dans des centres commerciaux, surtout dans les mondes un peu apocalyptiques. Post-apocalyptiques. Genre quand tout a été vidé, pillé, mais qu'il y a forcément des trucs qui traînent par-ci par-là. Liquide de refroidissement, par exemple. Par exemple, l'ami. Putain, il y a des postes d'armure assistés partout, ça. Partout. On a vu deux, mais je veux dire trois avec l'atelier. Le garage que j'avais trouvé juste avant. Ok, j'y suis presque. Là doit être la milice. Faut juste que j'apprenne comment me soigner éventuellement. On va sauvegarder ici. Hop. Histoire 2. J'ai gagné un niveau. Aïe. Un steam pack, table. Oui, j'ai gagné un niveau sinon. Éventuellement, soin. Biscuit Fantasyland. Jet, ralentit le temps. Résistance aux dégâts. Ah, c'est cool, il y a plein de trucs. Nuke cola. Plus 5 radiations. C'est écrit où ça? Ah, radiation 5. 3, 6, 1. Putain, tout est radioactif, sérieux. À part ça. Tout est radioactif, quoi. Impressionnant. Ah non. PV 30%. Ah oui, les steam pack, oui. C'est bon. Ok. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que what the fuck? Ils m'ont lancé une. Au. Votre santé est faible. Je sais, je vais sûrement crever d'ailleurs. Voilà. On est mort. C'était prévu, c'était normal. C'était pour le test. Pour que tout le monde se sente bien et que moi je sois pas trop fort, tu vois. Sinon, les gens ils vont péter des plombs. Après, ils vont être là, ah, c'est nul, on est trop fort, tout est trop facile. Gna gna. Non, c'est dur. Ah ! Qui ? Non, c'est bon, vous m'avez pas vu. Je ne suis pas là. Merde, c'était quoi ça ? Ok. Bon, alors, soit dit en passant. Y a plus rien. Il va quand même falloir que je débute, hein. Quelqu'un ? Oui, il y a quelqu'un. Vas-y, viens, au revoir. Salut, mon kleps. Attention. Je suis pas caché là, c'est ça ? Liquide à l'air. Rien vu. Crève ! Saloperie ! Ah bah, je vais prendre ma méga armure, ça va. C'est dans la merde là. Mon chien! Il est où? Qu'est-ce qui se passe? Une voiture qui arrive? Non, c'est une voiture qui arrive. Ok, pourquoi pas. Danger. Bah, je sais, merci. Vas-y, viens. Ok, là je suis concrètement dans la merde.
mais tout va bien aller. On va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser mon mousquet laser. On va faire voir. Au, au, je brûle. C'est la fuite. Oh, il me voit pas là. Il est où mon kleps, Charlie? J'espère que t'es pas mort. Sinon c'est la fin du jeu. Moi j'arrête. Aouh! Pillard crasseux. Ah, oh, mais y'en a un là-haut? Intéressant, intéressant. Soin. On va reprendre un steampack. Ok. Mais qui c'est qui tire là? Ça sert à rien, les gars, si vous savez pas viser. Aouh! Ah! Putain, mais c'est pas possible! On va fuir genre beaucoup plus loin. Bah ouais, c'est normal que tu vois plus personne, gros. Putain, c'est compliqué, hein! Je pensais pas que ce serait aussi compliqué. Bon, j'ai vraiment plus de vie là. Ça va pas du tout ça. Ok, je suis obligé d'utiliser tous mes steam packs. Tout va bien. Ok, bon, faut que je remonte. Je vais essayer de... Il est où, Charlie? T'es où, mon chien? Ils m'ont tué, mon chien! Ils ont pas le droit! Bon, je peux pas remonter là? Normalement. Ah, il est là! J'allais bien! Tu es invincible! Indestructible! Toujours eu confiance en toi. Tire d'appui. Écoutez les fréquences militaires. AF95. Ok, pourquoi pas. Ok, bon, alors il y en a partout en fait. Donc ce qui va se passer. C'est quoi ce bordel? Où ça là? Quoi? Tu m'as vu. Bon, côté infiltration, je comprends pas tout. Hein. Alors comment faire pour. Ah, oh. Qui? Où? Quand? Blague. Ils sont où? Là-bas. Tête. Dis-moi que tu le touches, mec. Oh, nice. Bon, ça. C'est bon, ça. Ah, ils sont où, les autres? Aouh. Là, ça marche super bien. Avec ça. Merde, il y avait un poteau. Putain. Fuck off. Je vais y arriver, hein. Il est où? Ça va aller, mon chien. J'arrive. Ah, sans ça, je sais pas comment je fais, en vrai. Mais putain! Aouh! Fuck off! Voilà! Merci! Tu m'as pas vu? Je suis discret! Trop discret pour toi, bitch! Où ça? Où ça, ça tire? Mais ils sont où? Putain, mais j'y vois! Mais c'est pas possible! Ah, là. Ah! Quoi, mais t'as raté ça? Mais c'est pas possible, mec. Comment on fait pour genre passer au mode corps à corps vite fait? Ah, fuck. L'apprentissage, mais en version hardcore un peu. Oh, mais où? Mais où? Quand? Comment? Putain, t'as raté ça, mec. Tu vas le toucher ou... Non, bah non, bah, t'es mort. Et voilà, t'es mort.
Oh bordel! Bordel de cul! C'est pas possible, c'est quoi ce jeu? C'est chaud, putain. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des touches genre faciles pour passer d'un. Pour passer d'un mode à l'autre, genre passer du mode corps à corps au mode pas corps à corps, enfin tout ça quoi. C'est tellement perturbant, ça ressemble pas du tout à ce que je connais. C'est pas comme dans les FPS normaux, genre tu fais molette et puis c'est bon, tu changes d'arme, tu vois, genre il faut aller dans le truc et tout, genre c'est long, compliqué. Donc voilà. Commencer, tir d'appui. Est-ce que je peux éventuellement. Non, mais je sais pas ce que c'est, je comprends. Bordel. Oh putain. Bon, n'empêche que c'était une bonne idée de passer par là, mais faudrait juste, genre. Déjà que je récupère mes points d'action. Que je me fasse pas vraiment repérer et que je les tue, genre. En mode bien, t'as vu. Mais là, c'est compliqué, je veux dire, ils sont beaucoup, tu vois. En même temps, j'y vais sans mon armure, moi, je suis un peu un thug. Bon, je vois pas trop où est-ce que je peux passer d'autre. Du coup, on va passer par là. On va passer par là. Quoi, il m'a vu, mais qui? Ah, mais c'est là-haut. C'est une blague. Il doit avoir une bonne arme, lui. Ça marche plus comme c'est quand même avec la visée normale en vrai. Vas-y. Hop là. Ok, bon déjà toi t'arrêtes de me casser les couilles. Premièrement. C'était quoi ça? Hein? Quoi? D'où? J'entends quelque chose. T'as rien entendu, t'as rien vu. Ah là-haut. Il y en a un autre. Viens là. Viens là, salaud. Ouais, ok. T'as de la chance. Il y en a vraiment partout, quand même. Ils sont bien cachés. Hein. Ouh, quand? Comment? Ah! C'est la fuite, ça y est. Ça y est, je commence à me faire tirer dessus. Ah, c'est là-haut. Quoi? Je l'ai touché, là? What the fuck? Finis-le! Très bien. La fuite! Ah! Non, lui d'abord. C'est la fuite! Ah. Oh gosh. Genre, je l'ai pas touché là, c'est une blague! Mais c'est une blague! C'est gros. Ça va? Tranquille. Ta vie. Ok, bon j'aimerais quand même trouver une touche pour changer d'arme au fur et à mesure quoi, parce que c'est un peu rude. Putain mais c'est pas possible. Voilà. Je vais finir par y arriver. Je suis sûr qu'eux ils ont des putains de snipe. Je le veux. Je veux ton snipe, gros. Tu comprends que je te parle? Raté. Ah! Tocard toi-même, bitch. Parfait! Putain. Seulement ça pourrait faire ça à chaque fois. Bon, toi je vais t'avoir, mais plus. Comme ça. Voilà. Voilà. On va viser le buste. Hein. Putain, mais tu sais pas viser, mec. C'est impressionnant. Arrête de bouger. Arrête de bouger. C'est bon, vous êtes calmé là? Putain. Mon Kleps, il est où? Faut que je le soigne. Ouais, il est mort. Ah non, ça va. Il va bien. Bon, tout va bien. Si mon chien va bien, tout va bien. Ok.
Bon, du coup, on va monter tout là-haut. Ah, qui, quand, comment? Oh, bien, je m'amusais bien, moi. Ouais, c'est ça. Moi, je vais aller tout là-haut. Je vais récupérer son arme, le bonhomme. Je sais pas ce que c'était, mais ça avait l'air cool. Là, lui. Arme de fortune. Tu veux dire qu'il me tirait de là-bas avec une arme de fortune? C'est une blague? Oh putain. Moi je veux un snipe, bordel. Bon, fort bien. Bon, bah, après avoir un peu mieux compris comment fonctionne le jeu, et surtout le système de tir qui est assez particulier avec le SDAV, je vais m'arrêter là et je continuerai donc l'attaque de ces putains de pillards qui me cassent les notes au prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu quand même et puis à tous !